je m'appelle Dorothy Lintner, j'ai 39 ans et puis je suis actuellement la directrice générale de Bioforce. Voilà, je suis mariée, j'ai deux enfants. Les Fables de La Fontaine, c'est un magnifique recueil de poésie bien sûr, mais c'est aussi un bel ouvrage de réflexion sur la société. Et puis ça nous dit par l'histoire finalement qu'on peut toujours apprendre aujourd'hui de manière très accessible finalement beaucoup de choses sur notre environnement social, sur ce qui fait société. Et voilà. Et puis la littérature pour moi ça dit à peu près tout d'une société, donc ça serait pour moi mon ouvrage de cœur. À l'origine, je suis professeure de littérature. J'ai passé l'agrégation de lettres modernes. Ensuite, j'ai fait mon doctorat de lettres modernes. Et je travaillais sur, justement, les siècles anciens, du XVIe et du XVIIe siècle. J'ai enseigné à la Sorbonne et puis ensuite à Oxford. Et puis, je suis partie ensuite, virage important, je suis partie en entreprise. Et là, j'ai travaillé à l'université interne d'Engie, le groupe industriel dans l'énergie, avant ensuite de refaire un nouveau changement professionnel. J'ai quitté Engie en janvier dernier et je suis maintenant à la direction d'une école qui forme les humanitaires à Lyon, qui s'appelle Bioforce. Voilà. J'aurais deux ruptures. La première, quitter la littérature pour aller en entreprise, la fonction publique pour un très grand groupe du CAC 40. C'est quand même un très, très fort changement culturel. Et puis la deuxième que je viens de vivre, quitter un grand groupe du CAC 40 pour aller dans une toute petite ONG de 85 personnes. Ça aussi, c'est une très forte rupture. La seule chose, c'est la pédagogie, qui est en fait mon cœur de métier, mon cœur d'expertise, et qui fait le lien dans tout ça. Eh bien, ce qui m'anime, justement, c'est d'avoir, je dirais, la transmission en permanence. C'est cette expertise que j'ai développée au fur et à mesure de toutes ces expériences. C'est quelque chose qui me semble éminemment fondamental, parce que c'est l'éducation de nos enfants, c'est l'éducation des plus grands jusqu'aux adultes. Et voilà, la transmission, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, le bien vivre ensemble, en équipe, c'est aussi une des choses qui m'a toujours plu en animant une classe, mais aussi finalement en dirigeant des équipes ou aujourd'hui une institution. C'est de créer les conditions pour que les gens puissent travailler de la manière la plus efficace et la plus sereine possible, à mener un changement pour le bien de l'organisation, mais avec bienveillance, avec le moins d'aspérité possible, et donc d'avoir aussi une approche relativement ouverte du travail collaboratif et de la gestion des équipes. La littérature reste pour moi et restera toujours une source d'inspiration. Je trouve qu'on apprend tout de la littérature, quelle qu'elle soit. Même si je reste très convaincue de la littérature française, même la plus ancienne. Et puis en fait, c'est les discussions. Essayer de rencontrer des gens très différents. Ça a été l'avantage d'être sur trois, je dirais... une culture de métier, d'organisation très différente qui me font rencontrer des gens très différents et on apprend beaucoup finalement en croisant les perspectives. C'est amener une ONG à se transformer dans un contexte qui est difficile. Le contexte des humanitaires n'est pas un contexte simple. Une association qui fait de la formation, ça n'est pas simple. Et amener... Et globalement, j'ai envie de dire, ça c'est les années que je retiens en entreprise comme celle que je vois maintenant, amener des adultes à se former et à continuer d'apprendre régulièrement, ça c'est un vrai enjeu. Voilà. Pour la gratter, pour moi, c'est justement la difficulté d'amener des adultes à venir se former, se remettre en question régulièrement, et pas penser que c'est toujours pour les autres. Et donc de faire l'effort d'aller se former, de laisser les équipes, de dégager des budgets pour que des équipes humanitaires ou dans une entreprise, ou quelle qu'elle soit, aillent se former, qu'il y ait une culture d'apprentissage dans les organisations, chez les adultes, ça c'est un vrai poil à gratter. Deux choses. La curiosité, et parce qu'on a quand même besoin une expérience internationale, et si je le dis de manière très 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 simple, une maîtrise de l'anglais.
je ne saurais pas dire, mais il faudrait qu'il y ait de la littérature dedans. Une magnifique occasion de prendre du recul sur un sujet de société. Alors que nos quotidiens professionnels ne nous le permettent généralement pas. Ce sont des sujets vraiment de citoyens qui sont abordés là. Ça croise des regards et des perspectives. Ce sont justement ces conversations curieuses qu'on a eues comme ça pendant un temps long, ce qui est très rare en formation, d'avoir un temps long de formation et de discussion, d'échange sur un sujet de société avec des gens que je n'aurais jamais croisés par ailleurs. Et voilà, ça c'est je pense le meilleur apprentissage que moi j'en tire de ce cycle qui nous a emmenés en plus physiquement sur des géographies où je n'avais jamais été. Atypique ?